Attention, Mirovaz. Mets sur table là, moi, s'il te plaît. Ovens. Ovens. Sur la table, il y a. Pas touché, frère. Oui. Comme on l'a signalé à notre délégation ce matin, nous en sommes que la brigade de vérification Jacques. Des patrimoines. Donc, cet organe qui va s'ajouter aux autres organes existants de l'institution ont envie de lutter contre la corruption telle que nous autres, nous devons le faire. Donc, ce matin, on m'a annoncé nos avions. Nous devions avoir le commissaire du gouvernement en chef, malheureusement. Il est empêché, il s'est représenté par Maître Némi Jean-Baptiste, c'est elle qui va accompagner le directeur général de l'institution, Maître Hans Joseph, dans le cadre de la lancement de cette cérémonie. Merci. Allez, vite, oui. Quoi? Jacques, même Jacques, c'est pour faire Jacques. Allez. Après, j'ai vu quoi, eux, comment ils étaient DGA. Non. Mais comment le DGA? Non, tu parles déjà pas en même temps, non? Et des autres n'ont fait là, oui. Et c'est nous autres qui présentons la presse parler, écrit, télévisé et en ligne. Je remercie particulièrement le commissaire du gouvernement qui s'est fait représenter par un substitut, madame le substitut de Némi Jean-Baptiste, qui est avec nous matin dans le cadre de lancement. Brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Madame le substitut, mesdames, messieurs les cadres de l'institution, l'SCC, mesdames, messieurs, la presse parlée écrite, télévisée en ligne, dès mon installation, le 27 juillet 2020, j'ai pris l'engagement de mettre sur pied une brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Aujourd'hui, 22 octobre 2020, je suis donc heureux de pouvoir présenter à la population haïtienne un échantillon des membres de cette brigade fraîchement constituée. L'idée de doter ULCC de cet outil pratique et efficace se veut en conformité avec la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a confié la mise en œuvre de cette loi à l'unité de lutte contre la corruption. Sur cette base,
de notre lieu, nous entendons faire appliquer toutes les dispositions de cette loi. Pourquoi nous nous sommes fait accompagner ce matin du chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, représenté par son substitut, Maître Néhémie Jean-Baptiste. Je pars du constat alarmant que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration du patrimoine. Je veux leur rappeler que manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. Ce dynamisme positif qui se développe dans cette institution républicaine nous porte à laisser le confort des bureaux pour conduire les enquêtes sur le terrain avec nos enquêteurs bien qualifiés, dévoués et patriotes qui méritent, comme je le dis tout le temps, des honneurs de la République. Cette brigade aura pour mission principale de faire la vérification physique des biens meubles, immeubles, tangibles et intangibles qui font partie des patrimoines des déclarants. Cette vérification in situ permettra à l'ULCC de mettre en lumière les fausses déclarations, les déclarations inexactes ou incomplètes, afin d'anticiper tout acte d'enrichissement illicite et de protéger, comme l'a signé le décret du 8 septembre 2004, les biens publics et collectifs. L'autre mission importante de la brigade est la surveillance de l'évolution des patrimoines. Car dès qu'il y a une modification patrimoniale qui dépasse 40% du revenu annuel imposable d'un fonctionnaire ou d'une personne détentrice de mandat populaire, il lui est fait obligation au terme de l'article 12 de la loi du 12 février 2008 de venir mettre à jour avec les explications justificatives nécessaires et surtout convaincantes sa déclaration de patrimoine initial. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout et mon ministre de tutelle, l'infatigable Michel Patrick Boisvert, pour l'accompagnement budgétaire qu'il nous donne en vue de la mise sur pied de cette structure qui, je vous l'assure, va troubler le sommeil des dilapidateurs. Je vous remercie. Maintenant, la place au substitut du commissaire du gouvernement de province, Maître Néhémie Jean-Baptiste. Merci, bonjour, monsieur le directeur et mesdames, messieurs de la presse parlée et télévisée et cybernétique. Le parquet a le plaisir de prendre part à cette initiative, puisqu'il partage cette double et cette importante mission d'assurer la régularité dans l'ordre, au sein de l'ordre social. Alors, c'est un plaisir de prendre part à cette activité et le parquet entend apporter toute sa collaboration pour assurer le suivi des dossiers, pour assurer le suivi ou du moins la bonne application de la loi. Nous avons cette double mission qui consiste à prévenir la fonction dépressive ainsi que la fonction préventive et la fonction dépressive dans la société. Nous entendons par là apporter toute notre contribution à l'ULCC pour la bonne application de la loi. Et nous invitons tous les acteurs de la société, tous les sujets ciblés par cette loi, à apporter leur collaboration pour la bonne marche de la société. Puisque nous sommes tous des créanciers, nous avons tous intérêt dans ce qui se passe dans la société. Alors, nous disons un grand merci à la presse et également nous remercions l'ULCC d'avoir jugé nécessaire d'interpeller cette collaboration qui doit exister pour la bonne marche des institutions publiques. Merci. Maintenant, on appelle simplement M. Moua. Trois questions. Trois questions. Ok. Journaliste qui. Ok. Obligé, papier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Depuis que vous voulez atteindre notre.
Bonjour tout le monde. Je vous dis que je suis en train de travailler pour le professeur 2000 avec Casa d'Haïti. Et en vrai, c'est ma question sur l'activité de l'examen plutôt. Concernant. Non, mais écoutez. Ou pas de préciser le permanent là déjà. Permanent à votre question. Je pense que ça a l'école qui est en tête. Non, 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 journaliste, ça va limiter à rien. Ou pas de préciser le permanent. Excusez-moi si vous ne pouvez pas préciser. Pas de danger, pas de danger. Merci déjà très ouvert, merci de m'avoir posé ça. La question c'est concernant. Là, nous avons une visite que nous sommes supposés faire aujourd'hui à Tikini. Est-ce que la visite ça est en cours? La visite d'évaluation, est-ce que est en cours? Si jamais nous arrivons, ouais que l'évaluation est que garantie à pas, comme on a dit ça là, pas répondre à l'exigence que l'État supposé, c'est-à-dire de sous-estimer alors. Qu'est-ce que ça a prévu avec Delimot? Il va signer nous tout. Qui sont les bonnes à l'assignation? Merci à vous. Je vais répondre très rapidement. Je vais vous remercier pour caractériser l'enquête du SCC, c'est confidentiel. L'enquête sur CTA fait partie de l'ensemble d'enquêtes que le SCC a conduit. Et nous toujours étonnés de notre côté de nous remarquer que l'enquête s'en va. Pile en pile enquête que l'UNCC a produit. Donc je vous le dis, et c'est ça m'a toujours maintenu, les enquêtes en cours ne seront pas commentées par le directeur général. Qu'en est-il de l'assignation? Les enquêtes ne seront pas. Assignation va aller voir, enquête là, c'est juste son dessin. C'est, normalement, c'est un privilège, une prérogative que la loi a. Chaque citoyen nous saisit de l'autorité judiciaire. Donc il faut ce qu'il faut. C'est que la loi nous permet. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Ça n'a pas de rapport avec l'activité. Ils sont capables de répondre. Les gens qui disent que va utiliser l'ULCC comme un outil pour persécuter. Les outils politiques pour persécuter les opposants politiques. Et qui sont capables de ça, est-ce que pouvoir, il y a de pression que vous faites sur vous pour que vous puissiez attaquer des opposants politiques? Et puis, ça a un rapport avec la question ça. Qui moyen politique pour gagner pour que Olivier fait des gens qui n'ont pas de responsabilité et soumettre avec les déclarations de patrimoine et les petits aspects de l'outil. Est-ce que le président fait parler là déjà? Et puis qui le bouge qui fait? Et on fait chef parti, chef DG. Ok, merci pour la question. Monsieur Kiskeya. D'abord, on va dire que l'ULCC est une institution républicaine. L'ULCC, on est toujours dit, c'est la police de l'administration publique, quel que soit côté ou premier, dès que vos dénonciations ou l'ULCC au courant de lui, soit une mauvaise utilisation qui fait, l'ULCC a agi. On ne fait pas de la politique dans cette institution et vous souhaitez la presse encourager dans ce sens. Merci. La prochaine question. Sous déclaration de patrimoine, au niveau de la présidence, ça nous gagne un enregistre, c'est 100%. Ok? 100%. Donc je ne réponds pas. Qu'est-ce que c'est de l'administration publique là? Tous les ministres, les secrétaires d'État, directeurs généraux, ils ont fait ça? Vous comprenez vous-même, vous comprenez? Non, vous comprenez. Appréciez. Voilà la question. Donc la charité, bien ordonnée. Comment ça se passe? Selon troisième question, vous continuez. Merci à nous tous d'accepter de répondre. Question de jury. Oui, bon, 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 là. Nous c'est Judas Creole, c'est celle qui t'a fait le copier et qui ne nous fait pas jamais tomber. Judas Creole.